If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour découvrir le contenu des 3 box mensuelles de poussière de toile. Vous savez que je suis ambassadrice pour l'année 2024. Donc je vous présenterai au fil des mois eh bien, les nouveautés, les box qui sont mensuelles. Donc les 3 box, on a une box broderie qui est à 25 euros, on a une box aimant qui est à 9 euros et une box papeterie qui est à 12,99 €. Donc elles sont en vente le 30 ou 31 du mois, ça dépend comment tombe le mois, en général à 17 h. À chaque fois il y a quand même pas mal de quantité, mais ça part très vite. Donc si vous les voulez, je vous conseille de vous abonner à la page Facebook de Poussière d'Étoile. Comme ça vous ne louperez pas en fait les notifications avec le thème. Avec, en général j'essaie de vous partager aussi sur Instagram quand les thèmes sont donnés. Quand le thème est donné, et cette fois-ci, eh bien, le thème, eh bien, c'est les chats. Voilà, il y avait un thème, le thème de ces 3 box était les chats. Donc, on va commencer par la box papeterie. Alors, celle-ci, je ne l'ai jamais achetée. J'ai déjà acheté plusieurs fois en tant que cliente la box aimant et la box broderie, vous le savez. Mais la box papeterie, je ne l'ai jamais prise. Donc, c'était le thème chat. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, c'est celle du mois de février. Trop mignon. On a un joli sticker. Alors comme je vous l'ai dit, moi je découpe je décolle proprement les stickers et je m'en resserre sans problème. Il est trop mignon. Alors je ne suis pas très fan de chats. Alors j'espère que ça, le contenant va me plaire. Parce que j'aime bien les chats chez les autres, mais les chats je les trouve traites en fait. Voilà, je trouve que c'est faux un chat. J'ai eu plusieurs traumas étant petite avec des chats. Donc voilà. Alors je sais que bon nombre d'entre vous aimez les chats. Alors. On va ouvrir ça, je sors tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ma foi, elle est bien garnie. Hein. Alors, alors, j'aime pas les chats, mais franchement, il est trop kiki. Alors, on a, comme je vous l'ai dit, la box, elle est au prix de 12,99 €. Alors, si vous aimez tout ce qui est papeterie, regardez-moi ce sticker. C'est un sticker holographique. Oh, mais elle est trop kiki. Voilà, trop mignon. Trop mignon, il est super beau, il est quand même assez grand, je pense que vous pouvez voir par rapport à ma main. Trop mignon, trop mignon, trop mignon. On a à l'intérieur, carte. On a comme d'habitude la petite carte de visite, un sachet de thé et un sticker. Donc là on a des jolis stickers citrouille, top. Oh, joli, c'est un marque-page, très joli. Eh bien écoutez, ça va être utile parce que regardez ce joli marque-page, elle est tout ciselé, vous voyez. Donc il est tout plastifié. Il est tout transparent avec ce joli chat. Très sympa. Ah ouais. Ça, moi je, comme je lis quand même pas mal, et bien ça il va aller dans un des bouquins sans problème. Ensuite on a un... Oh j'adore. Bah, alors moi c'est le genre de trucs que j'utilise tous les jours. Comme je vous l'ai dit, je fais des to-do list pour un peu tout. Tous les soirs, je fais ce que j'ai à faire le lendemain et je reporte le lendemain ce que je n'ai pas fait la veille. Ça permet eh bien d'alléger la charge mentale, je trouve. Je me suis fait un petit thé, hein. Si vous voulez boire un petit coup, c'est le moment. Une to-do list avec quand même relativement beaucoup de pages. Elle est trop jolie, regardez ça, dans les tons turquoise avec le petit thé, le petit gâteau. Le petit croissant, le chat et la fleur. Très joli. Ça, ça va aller direct. Soit dans mon bureau, alors pas dans mon bureau pour l'instant, ça va aller direct dans mon atelier quand j'ai des petites choses à noter. Ça va être parfait. Mais écoutez, cette petite box papeterie jusque-là, top. Et on a... Oh!
On a un joli masking tape. Alors, j'adore le masking tape. J'en mets un petit peu partout quand j'ai, comme j'ai pas mal de carnets. Le washi tape, j'en ai un petit peu partout. J'en ai beaucoup. Oh, il est trop mignon. Mais c'est des petits chats trop mignons. Des petits chats. Alors, attendez, je cherche le bout pour essayer vous. Voilà, il est là. Voilà. Regardez-moi cette mignonnerie. Oh, il est trop mignon. Ça, direct dans mes petits carnets. Ça... direct. Dans les carnets de broderie, tout ça, je m'en sers beaucoup. Eh bien, écoutez, on valide la box papeterie. Alors, je ne sais pas au moment où je vais poster la vidéo s'il en reste. Ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est d'aller faire un tour sur le site de Poussière d'Étoiles. Vous avez moins 10% sur votre première commande sur le site. Hors box, je crois. Vous avez moins 10% sur le site avec le code VALBEAUTY pour votre première commande. Et c'est des petites choses. Il y a un onglet papeterie. Vous ne pourrez pas retrouver forcément ces choses-là parce que je crois que c'est inédit quand c'est dans les box. Donc, mais vous pourrez les voir dans l'onglet papeterie. Donc, on valide la box papeterie. Je ne l'avais jamais reçue. Je ne l'avais jamais commandée. Écoutez, tout va être utilisé. Donc, ça, c'est génial. On va passer à la box aimant à aiguille. Alors, ce sont des qui sont à, elle est à 9 euros. Voilà. Donc, ce sont des aimants qui sont exclusifs à la box. Vous ne les retrouvez pas sur la boutique. Donc, voilà, si vous voulez des aimants un peu exclusifs, il faut les prendre pour la box. On a toujours le petit sticker, ce petit chat. Hop là, il est à l'envers. Le petit, c'est le même sticker ou pas? Non, c'est pas le même sticker. C'est cool, c'est un autre sticker. Alors, oh, joli sticker. On a toujours la petite carte de visite avec le sachet de thé offert et un joli sticker. Il est très joli celui-ci. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est deux aimants que vous ne pourrez pas retrouver qui sont exclusifs à la box. Alors, on a un premier petit chat un peu façon aquarelle. Enfin, les deux sont façon aquarelle. Alors, je vais vous les enlever des sachets. Les petits chats. Très joli, un peu façon aquarelle, on dirait un petit tigrou. Voilà, quand même assez gros. Et le deuxième, alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan des chats, mais ils sont très très beaux. Voilà, ils sont très très beaux. Oh, il est joli celui-ci, il a plein de jolies fleurs. C'est un chat d'une autre couleur. Toujours façon un peu aquarelle, avec plein de petites fleurs. Vous avez des fleurs ici sur le pourtour. On dirait une petite minette, ça, voilà. Très joli également. Voilà. Les deux aimants qui étaient, donc, pour tous les fans de chats, voilà, j'espère que vous n'avez pas loupé la box. Sinon, vous ne pourrez pas les retrouver. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous voulez la box, je vous conseille d'être au taquet le dernier jour du mois à 17h. Parce que, voilà, ça part très, très vite. Voilà. Pour la box aimant et on va finir par la box broderie de février qui avait donc le même thème, le thème chat. À l'intérieur on trouve une fiche de broderie inédit Monsieur Cat, un aimant aiguille assorti au modèle à broder, un fil teinté main de 8 mètres sur coton mouliné DMC créé par Poussière d'Étoiles, un coupon de toile à broder Zweigart grain de sable et un accessoire inédit fait main en Provence. Et regardez, on a un autre petit sticker. Mais ils sont trop... Par contre, les stickers ce chat, là, je fous. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Allez, c'est parti. Que je n'oublie rien. Je vais bien récupérer les stickers après. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, on a le contenu de la box. Et il est possible, sur simple demande, via le formulaire de contact de la boutique, de demander la version de la fiche en format PDF. Pour l'utiliser sur Pattern Keeper ou sur Markert RXP pour iOS. Voilà. Oh, mais il est trop mignon. Oh là là, il est trop mignon, il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors, on a comme d'habitude la petite carte, le sachet de thé avec le sticker. Elle est trop, il est trop beau le sticker. Regardez cette petite loutre, mademoiselle loutre. Oh, elle est trop kiki, j'adore. Trop kikouille, trop kiki, trop kiki. Alors, on va commencer par
le fil. Oh là là, je vois plein de choses. Oh là là, mais écoutez, très sympa. On va commencer par ce petite chose là. C'est une petite pendouille à ciseaux fait main. C'est joli comme tout. J'adore ça, ça va aller direct sur mes ciseaux. J'adore. Créatrice provençale, tissu provençal. C'est super mignon. Regardez-moi ça. Alors, je vais enlever l'élastique parce que sinon ça gâche un peu le truc. Regardez-moi ça. Alors c'est... Ah, je ne veux pas le focus aujourd'hui. Il a du problème. Hein. Voilà. Donc on a du tissu provençal. On a une petite pendouille avec une petite abeille ou une cigale, je pense. Et c'est une pendouille à ciseaux. Mais trop mignon! Ça, j'adore. Ça, ça va être posé sur mes ciseaux direct. Moi, j'aime bien tout ce qui est petite fantaisie comme ça. On a la toile. Alors, cette fois-ci, j'ai pas pris de l'Aïda, j'ai pris de l'étamine. J'ai pris de l'étamine cette fois-ci parce que j'aime beaucoup maintenant broder sur de l'étamine. C'est moins confortable pour les yeux, mais le rendu est plus joli. Donc, j'ai pris de l'étamine. Donc, c'est couleur sable de chez Zwegart. Alors, couleur sable, vous voyez, par rapport au blanc derrière, c'est sable. On a un bon coupon. Un fil teinté main. Coton mouliné DMC teinté main miaou, ne pas laver. Donc le fil est très joli. Regardez ça. On a un fil teinté main. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir un petit peu parce que là on voit rien. Moi j'aime bien les fils teintés main, j'en utilise quand même pas mal. Et je trouve que ça donne un super rendu au projet. Ah oui, non, c'est un fil mouliné DMC en fait. C'est un. Il est teinté d'un bout à l'autre, vous voyez la couleur, regardez. Il est teinté, donc ça fait un genre de dégradé. Donc très sympa ça, ouais, teinté main. Donc il est teinté sur toute la longueur. Ça, très sympa, très sympa. Et le croquis, c'est Monsieur 4. Alors c'est déjà une belle bête, hein. Bon morceau, 150 par 200 points. On a 40 couleurs. Et les voilà! Regardez-moi comment il est adorable. Il est trop kiki ce Monsieur 4. Il est vraiment mignon, hein. Franchement. Très joli, très joli. Donc on a le diagramme en noir et blanc et en couleur. Donc, je vous montre comme ça la couleur. Et le diagramme en noir et blanc. Donc ce modèle-là, il sera à retrouver, je pense, sur la boutique. Après. Ouais, il sera trouvé sur la boutique, je pense, à 6 euros en PDF et 8 euros en fiche. Il est trop joli. Et j'adore moi les animaux avec des vêtements. J'ai une série que j'ai à broder, ils sont habillés, je trouve ça génial. Et on a l'aimant aiguille qui est avec. Regardez-moi comment il est trop craquant, ce Monsieur 4. Donc je pense que ça, c'est des projets que je pourrais être susceptible de broder. Ouais, ça va être dans les projets à broder. Mais il est trop kiki, regardez ça. Trop kiki, j'adore. Franchement, la box, si j'avais pas été en collaboration avec... je ne sais pas si j'aurais commandé étant thème chat, parce que voilà, je ne suis pas fan des chats, n'en ayant pas, etc. Mais du coup, la voyant, j'aurais regretté de ne pas l'avoir prise. Donc vraiment, donc les aimants aiguilles, comme je vous l'ai dit, sur le thème des chats, voilà, ça c'est des choses que vous pourrez pas retrouver sur la boutique. Je pense que celui-ci, il sera peut-être en vente sur la boutique, je ne sais pas. Je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. Je vous invite à aller de toute façon visiter la boutique. Mais voilà, écoutez, ravi. Donc ça, faut que je regarde 150 points sur 200 points sur la 12 fils, combien que ça fait. Je sais pas ce qu'il y a écrit à peu près la taille. Non, il n'y a pas la taille. J'adore. Il est trop kiki, franchement. Il est trop adorable. Trop adorable. Donc bravo encore Sabine. La box est une merveille, une réussite. Franchement, jusque-là, très peu déçue, comme je vous l'ai dit. Je suis cliente avant tout. Et voilà, ce petit bijou là, il va aller sur mes ciseaux de suite. Donc voilà pour la découverte des trois box, la box broderie, papeterie et aimant, que vous pouvez retrouver tous les mois à partir du 30 ou du 31, 17h sur la boutique de Sabine Poussière d'Étoiles. Si vous êtes nouvelle cliente, vous avez un code promo de moins 10% qui est le code VALBEAUTY qui vous donne moins 10% sur votre première commande. Donc je vous invite à aller faire un petit tour s'il y a des choses qui vous plaisent.
en papeterie, il y a des cartes postales, il y a des affiches. Voilà, allez vous faire plaisir, il y a plein de choses sur le site de Sabine. Franchement, il y a plein de jolies choses. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. Vous pouvez retrouver les fiches en PDF. Voilà, je vous laisse avec tout ça en barre d'infos. Je ne sais pas au moment où je vous parle, où la vidéo sortira, s'il me restera, je ne pense pas qu'il reste des box broderie et des box aimant, mais il restera peut-être des box papeterie. Voilà, ça peut faire aussi des idées cadeaux. Voilà, on se retrouve exceptionnellement demain matin à 10h, entre 10h et 10h30, je pense que ce sera vers 10h pour eh bien, la suite, les nouveautés du mois de février de Sabine Poussière d'Étoiles. Donc je vous dis à demain pour cette petite vidéo bonus et à mercredi pour le programme habituel. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain matin. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we